Salut, salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais te montrer comment tu peux accéder à ChatGPT 4 sans payer rien. Donc tout simplement, c'est un outil qui est vraiment payant, mais elle t'offre plusieurs caractères à utiliser. Donc tu peux créer plusieurs articles et aussi tu peux même gagner du crédit donc pour que tu puisses continuer à l'exploiter. Donc tout simplement, l'outil s'appelle WriteSonic. Donc tu peux créer un compte avec ton Gmail directement. Sans passer par une inscription par mail et l'activation, etc. Donc, et après, tu fais sign up pour accéder au tableau de bord. Donc, comme ceci. Donc, le tableau de bord, il est composé comme ceci. Donc, si tu veux changer la langue, donc normalement, il est en anglais par défaut. Mais si tu veux changer ça, il suffit seulement que tu accèdes ici à l'icône de ton Gmail si tu as déjà fait l'inscription avec ça. Donc, après, sur langue, tu peux choisir la langue. Donc, il te propose deux langues, la langue du système et la langue de générateur de texte. Donc, ici, c'est très visible. Donc, aussi, il y a d'autres outils donc, que tu peux détailler. Donc, par exemple, l'accès à l'API, etc. Donc, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc, tout simplement, ce qui nous intéresse, c'est de créer un nouveau. Donc on va cliquer ici, créer un nouveau projet. Par exemple, je vais le nommer 5G par exemple. Donc je vais essayer de créer des articles concernant ceci. Donc, comme tu vois, donc dès que tu crées un projet, tu as cette interface donc qui te permet d'accéder à ChatGPT ou bien à WeWrite 4.0. Donc tout simplement, l'avantage, comme je viens de te le dire au début de la vidéo, c'est que tu as ChatGPT 4. Elle est déjà cochée ici. Donc tu peux l'exporter bien sûr. Donc tu verras bien ce que je veux dire. Donc ici, tu vas sur articles de blog si tu veux créer des articles, bien sûr. Et ici, donc ici, c'est pour générer un titre. Ici, pour générer l'article ou bien un paragraphe. Donc tout simplement, je vais utiliser celui-là, comme ceci. Et je vais mettre un titre. Donc soit, donc je vais mettre par exemple 5G ou NR. Comme ceci. Et après, donc je vais mettre les clés, donc c'est 5G mobile, comme ceci. Donc, et après, je vais cliquer sur générer. Donc, il va me générer les grands titres, bien sûr. Et ici, il y a différents paramètres que tu peux paramétrer si tu veux. Donc, il y a le nombre de mots employés, donc c'est 400 mots. Et donc, par exemple, si tu es un publicateur dans les blogs, donc il faut dépasser les 600 mots. Ici, les keywords utilisés, donc je viens de préciser que seulement les deux premiers, donc tu peux mettre 3 ou 4. Donc, comme tu vois, donc il emploie les deux premières keywords que je mets. Donc, sinon, si tu veux mettre 3 ou 4, donc tu peux mettre un mot-clé ou bien une phrase que tu veux utilisé comme SEO, donc et il va l'employer dans le texte généré. Donc comme tu vois, il vient de générer plusieurs types de paragraphes, donc ici comme tu vois, donc le premier, le deuxième, le troisième, et il te laisse le choix de choisir ce que tu veux. Donc bien sûr, donc c'est pas le travail n'est pas encore achevé, donc il suffit seulement que tu prends ça, tu le redéveloppes si tu veux, et il faut revenir aussi pour créer un titre, etc. Donc c'est un chemin à faire bien sûr, mais en tout cas donc c'est plus pratique et plus détaillé que ChatGPT. Je parle pas du ChatGPT 4, mais c'est plutôt que tu as accès à ChatGPT 4 ici et que tu as accès à d'autres outils que tu peux exploiter et que tu peux employer dans ton travail. Je te laisse le temps d'explorer l'outil. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.